copains! Aujourd'hui, comme toutes les semaines, nous allons répondre à une de vos questions existentielles. Pourquoi la Terre tourne? Pourquoi y a-t-il de la saucisse dans la choucroute? Et surtout, pourquoi Bernard Diomède n'a-t-il pas joué à la Coupe du Monde 1998? Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est pourquoi est-il si difficile de faire un reportage quand on est étudiant. Allez, on y va! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, être étudiant, c'est être polyvalent. C'est s'investir dans des projets, travailler dans des projets, avec par exemple des reportages. Mais qu'est-ce qu'un reportage? Un reportage, c'est du travail de groupe, de la recherche, du travail sur le matériel. Tout de suite, nous allons voir ça avec un groupe que nous avons suivi en immersion pendant une semaine. Bah, fais des trucs comme ça. Ou alors il faut que tu fasses genre de la regarder. Bah ouais, c'est ce que je me disais en fait. Merde, ça fait bien parce que genre elle connaît son truc par cœur. Oui, mais ça fait qu'elle est inutile. J'avais pas besoin de ma tablette. Elle est vraiment inutile. Mmh. C'est où il faut que tu t'en sers ou tu l'enlèves. Ouais, ouais. Ok. C'est comme tu veux, c'est où tu arrives à faire des trucs avec tes mains. Welcome to 10 Minutes Insight. Today, our main topic is the creation of a company. First, we will show you the aid available for startups by meeting Mr. Olen, CEO of the structures who offer accompanying measure for entrepreneurs. Then we'll present a famous producer or Argentine room from the region who explain us the different steps of creation and the pros and cons he met. Our correspondent Charline Coller went to Toulouse in South France to make an investigation for 10 minutes. Je me concentre sur le texte, je pense, parce qu'il y a des fois tu fais des longues pauses alors que ça s'enchaîne, genre Monsieur Olin, CEO of a structure, c'est lui le CEO. C'est pas genre, ouais. C'est pas une nouvelle phrase. Ouais, mais c'est important aussi que tu te concentres sur tes gestes. Ah mais ouais. C'est important les deux. C'est le tout, ouais. Je suis une femme compétitive. Mais c'est parce que c'est normal, elle connaît pas. Donc en fait, on s'est dit que c'était un sujet d'actualité, la création d'entreprise. On en entend beaucoup parler, notamment dans notre entourage. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui se lancent dans la création d'entreprise. Donc on s'est dit, pourquoi pas donc interviewer des créateurs d'entreprise. Voilà. D'accord. Difficile avec les aléas pour les interviews. Après, on a quand même l'habitude de travailler ensemble, donc on est un groupe... On se connaît en fait. On se connaît bien, on sait comment on travaille, donc on a l'habitude de travailler ensemble. Donc après, ça va bien. C'est surtout les rendez-vous qui sont difficiles à obtenir. Mmh. Surtout qu'on a eu des plans qui ont foiré. Ouais. D'accord. Bah là, en fait, on a vu qu'on a un peu la pression du temps et avec tous les projets, on est obligé de s'y prendre un peu tard. Mais bon, hier, on a pu filmer la première partie de notre vidéo. Aujourd'hui, on la complète et demain, on continue encore. Donc, voilà. Et on finira jeudi prochain. D'accord. Il y a un gros souci car une des personnes que nous devions interviewer ne s'est pas présenté au rendez-vous. Il n'a jamais répondu au mail, quoi. Voilà, on lui a demandé de confirmer des rendez-vous, chose qu'il a faite oralement, mais il nous a demandé d'envoyer des mails. Nous lui avons envoyé 2 mails. Il ne nous a jamais confirmé le rendez-vous, alors qu'à l'oral, il nous avait dit que c'était bon. Et le jour du rendez-vous, on a contacté son agence et on nous a dit que... qu'il n'était pas disponible. Qu'il n'était pas disponible. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on pose des questions. Café. On espère que notre reportage sera bien. Pull up. Frank. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Pass out. Wake up. Comme vous le voyez, un reportage, ça peut super bien se passer, mais ça peut aussi être un fiasco total. Tout de suite, un témoignage bouleversant. Pour des raisons d'anonymat, nous appellerons cette personne Dieu merci. Donc bonjour Dieu merci. Bonjour.
Pouvez-vous nous parler du thème du projet que vous aviez réalisé? Je préfère pas, c'est encore beaucoup trop récent. Restons-en en fait, s'il vous plaît. Alors, au niveau factuel, comment s'est passé le tournage? C'était une catastrophe. Un drame. Les autres m'ont complètement mis de côté et j'étais abandonnée. Pendant les journées de travail, les autres regardaient Bambi en mangeant les carottes râpées, alors que moi, j'essayais de travailler. J'ai fait des crises de nerfs. Vos mots sont extrêmement durs. On sent que vous avez été touchée émotionnellement. C'est le cas. J'ai fait une dépression. Je me suis retrouvée à l'hôpital Gérald Babouin de Dunkerque, où je suis restée 2 semaines en internement. Je sais même pas comment ce qui s'est passé, comment j'en suis arrivée là. Je comprends, je vois ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, si vous aviez à refaire un tel projet, comment l'envisageriez-vous? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Simplement, je ne reprendrai pas les mêmes personnes avec qui travailler et puis je me laisserai pousser la moustache. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Vos mots, j'espère qu'ils auront parlé à beaucoup de personnes. C'est la fin de ce reportage. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. La semaine prochaine, nous répondrons à une question existentielle. Pourquoi les gens vont-ils au travail en faisant le poirier ?